Sophisme du faux dilemme. Le sophisme du faux dilemme, également appelé faux choix, se produit lorsque quelqu'un présente une situation comme s'il n'y avait que deux options possibles alors qu'en réalité il existe plusieurs alternatives. Cela restreint artificiellement les choix et pousse à faire un choix entre deux options, souvent en excluant des solutions plus nuancées ou complexes. Réfutation du sophisme du faux dilemme. Pour réfuter ce sophisme, il faut identifier les options supplémentaires qui n'ont pas été présentées et les introduire dans la discussion. En montrant que d'autres alternatives existent et qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre les deux options proposées, vous élargissez le débat et encouragez une exploration plus complète des solutions possibles. Exemple, imaginons que quelqu'un affirme ⁇ Soit nous continuons à exploiter intensivement les ressources naturelles, soit nous sacrifions notre développement économique. ⁇ Cela constitue un exemple de sophisme du faux dilemme car il réduit les choix à seulement deux possibilités. Pour réfuter ce sophisme, vous pourriez dire ⁇ Je comprends l'importance de l'équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement. Cependant, il existe d'autres options à considérer. Par exemple, nous pourrions explorer des pratiques durables d'utilisation des ressources naturelles. Naturel, investir dans des technologies plus propres ou encourager la transition vers des sources d'énergie renouvelables. En évaluant ces alternatives, nous pourrions trouver des moyens d'atteindre à la fois le développement économique et la protection de l'environnement. En introduisant des solutions alternatives et en montrant qu'il existe des moyens de répondre aux deux préoccupations, vous encouragez une conversation plus positive et plus riche qui explore des options plus variées et plus nuancées.